bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, pourquoi? Parce que c'est ma première vidéo en partenariat. Alors partenariat avec qui? On va pas laisser le suspense plus longtemps. C'est simplement avec Twist Shake. Donc ce sont des biberons qu'on voit énormément sur Instagram, énormément de mamans les utilisent, aussi énormément de blogueuses, de youtubeuses, d'instagrammeuses. Il faut savoir que j'étais à deux doigts m'en commander pour mon choupi, mais voilà, la folie Instagram a fait que j'ai été contactée par Fanny de la marque en fait, et elle m'a proposé tout simplement de les tester. Donc j'ai pu choisir et la contenance et la couleur, et en même temps j'en ai gratté un pour pouvoir vous le faire gagner, ainsi qu'un code promo. Alors ces fameux biberons, qu'est-ce qu'on en pense? Il faut savoir qu'ils existent en trois sortes de contenants. Donc celui-ci en 330 ml, un autre en 180 et encore un autre en 260 ml. Donc au niveau des couleurs, comme je vous disais, vous avez une panoplie relativement large. Donc ça c'est pour le côté un peu design, un peu sympa, mais pour le côté vraiment intéressant et pratique du biberon, ça se passe à l'intérieur. Donc comme tous les biberons, vous avez donc un capuchon, hop, et vous arrivez sur la tétine. Donc une tétine qui est extrêmement molle. Ça permet, si j'ai bien compris sur le site, bah, tout simplement de permettre au bébé qui passe de l'allaitement à une alimentation via un biberon, bah, tout simplement d'avoir une forme qui ressemble très fort au sein de la maman. Alors, ça c'est une chose, mais autre chose extrêmement importante, c'est que vous avez ce système anti-reflux. Je pense que toutes les mamans savent que les bébés petits ont quand même très souvent des reflux. Donc si on peut éviter les coliques, je pense que c'est un point extrêmement positif. Alors ça c'est pour la partie extérieure. Partie intérieure maintenant. Assez particulière, c'est que vous avez ce petit filet qui vous permet tout simplement de faire comme pour les shakers de protéines en fait, c'est de shaker votre bibi avec le lait et la poudre et de ne plus avoir ces grumeaux que l'on a quand même relativement souvent. Et au pire, s'il venait à en avoir un, ils ont souvent tendance à venir se bloquer là dans la tétine. Ça n'arrivera plus en fait, tout simplement parce que le grumeau sera bloqué grâce à ce système. Autre petite particularité, c'est que chaque biberon est fourni avec cette petite dose en fait qui permet tout simplement de vous trimballer avec la dose nécessaire pour votre petit. Donc hop, en fait vous trouverez ceci à l'intérieur. Donc tac, tac, tac. On remet le bouchon et le petit bouchon se remet au-dessus du capuchon. C'est pas plus compliqué que ça. Gros avantage aussi, c'est pour le nettoyage, restons clairs. Ça se défait extrêmement facilement, ça se rince extrêmement facilement, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Alors, il faut savoir que Twist Shake existe depuis 2011 et qu'entre-temps, ce produit a reçu pas mal de prix à travers le monde. Donc, je trouve que c'est un gage de qualité et de sérieux qui est relativement important à nos yeux de maman. Autre petite chose, j'ai un peu regardé sur internet les avis. Le seul côté négatif que j'ai pu trouver, c'est simplement que il n'y a pas de poignée et on ne sait pas commander de poignée. Donc pour les petits qui apprendraient tout simplement à boire au biberon, parfois c'est nécessaire. Moi j'ai pas ce problème là, pourquoi? Parce que Charles depuis ses 6 mois boit son biberon tout seul et l'attrape, le porte à sa bouche. Donc pour moi c'est pas vraiment un point négatif. Par contre, j'ai retrouvé un autre point plutôt intéressant. C'est pour les mamans qui ont des bébés, soit de différents âges, soit qui ne prennent pas forcément les mêmes types de lait. C'est simplement de pouvoir acheter donc des biberons de différentes couleurs et d'associer un enfant à une couleur. Comme ça, ça vous permet, lorsque vous faites vos préparations de biberons, quand vous partez en vadrouille, tout simplement de dissocier, de différencier les bibis et les sortes de lait. Et autre point positif, ça je vais le mettre en pratique
dès maintenant en allant chercher Charles à la crèche. Vous savez, je lui fais quand même boire beaucoup d'eau et j'apprécie les eaux aromatisées. Le souci souvent, c'est que les fruits vont dans la tétine et bloquent la tétine. Ici, grâce au système de grillage, les fruits qui seront dans le biberon ne remonteront pas à la surface. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà, je pense qu'au niveau de la description du produit, je pense que voilà, je vais m'arrêter là. Pas besoin de beaucoup plus de papotage. Je pense que les points importants ont été soulignés. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc comme je vous en ai parlé au début de cette vidéo, j'ai un biberon à vous faire gagner. Donc c'est le Twist Shake bleu, qui peut aller aussi bien aux petites filles qu'aux petits garçons, en 260 ml. Alors les conditions pour gagner ce biberon, c'est simplement être abonné à ma chaîne Instagram, dont le lien arrivera ici à mon avis en dessous de la vidéo, être abonné à ma chaîne YouTube et de me laisser un petit commentaire. Donc vous avez jusqu'au dimanche 4 septembre pour participer et je ferai le tirage au sort dimanche fin de journée. Pour les autres, j'ai un code promo aussi à vous faire partager. Donc c'est le code AnnéCharles20. Donc ce code promo va vous permettre d'avoir une remise de 20% sur votre commande sur Twist Shake. Donc je vais vous laisser toutes les informations en barre d'infos, le nom du site, etc, etc, afin que ce soit clair pour tout le monde. D'ici là, je vous embrasse bien fort. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour celles qui se posent encore des questions sur dois-je acheter ou pas un Twist Shake, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut !